الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme vous voyez le titre de cette séance, ce sont les systèmes. La résolution géométrique ou bien parfois on l'appelle la résolution graphique. Alors, dans cet exercice, on a deux systèmes à résoudre. Le premier, exercice A, on va résolvons le système alors x plus y égale 4 et 2x moins y égale 2. Résolvons graphiquement ou bien géométriquement. Graphiquement. Alors, qu'est-ce que c'est que la résolution graphique? C'est de présenter les deux équations sous la forme d'une droite et puis de tracer ces deux droites sur un repère cartésien orthonormé et de voir l'intersection de ces deux droites. Donc, pour la première équation, on a la forme réduite, c'est y égale moins x plus 4. Voilà, je vais appeler ça la droite delta 1 d'équation réduite, y égale moins x plus 4. Et la deuxième équation, c'est 2x moins 2 égale y. J'ai fait moins y, donc j'ai transféré moins y dans le deuxième membre, ça devient plus y. Et le 2, j'ai transféré dans le premier membre, ça devient 2x moins 2. Voilà, c'est delta 2. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on va chercher deux points de la droite delta 1. Donc, pour delta 1, qui est y égale moins x plus 4, je vais chercher deux points. Je trace un tableau, ce qu'on appelle le tableau des valeurs, x, y. Si je donne à x 0, j'obtiens 4. Voilà un point que je vais appeler A. Deuxième point, B. Si je donne à x 1, moins 1 plus 4, c'est 3. Donc voilà deux points de la droite delta 1. Maintenant, je peux construire delta 1. On va passer à delta 2. On fait le tableau des valeurs et on va trouver les points, alors, le x et y. Alors, je vais appeler le premier point E. Alors, pour delta 2, son équation, c'est y égale 2x moins 2. Je fais un tableau x, y. Pour x égale 0, y égale moins 2. Je remplace ici 2 fois 0, c'est 0, moins 2, c'est moins 2. Donc voilà, 0 avec moins 2, c'est le point E. Le point F, si je donne à x 1, ça me donne 2 moins 2, c'est 0. Donc voilà un deuxième point. Maintenant, je peux tracer les deux droites, delta 1 et delta 2. Alors, j'ai préparé un repère. Alors, je vais tracer la première droite. La première droite, c'est delta 1, c'est 0, 4. 0, c'est l'abscisse. Et 4, c'est l'ordonnée. 1, 2, 3 et 4. Voilà le point A. Maintenant, B. 1, 3. 1. Là, c'est 1, 2, 3, 4. 1 avec 3. Voilà le point B. Alors maintenant, je trace la droite AB. Je trace la droite AB donc c'est la droite AB, c'est la droite delta 1. Voilà delta 1. Maintenant je trace la droite delta 2. Delta 2 c'est alors la droite delta 2
Voilà, on a 0, E a pour coordonnées 0, moins 2, 0, moins 2, ici. Et 1, 0. Donc, je trace, là, c'est E, et là, c'est F. Alors, je trace la droite EF. C'est la droite delta 2. Alors, le point d'intersection, c'est 2, 2. Alors, le point d'intersection, je vais l'appeler M. Donc, les deux droites se coupent au point M de coordonnées 2, 2. On va vérifier, est-ce qu'il le point M vérifie, ou plutôt les coordonnées du point M, est-ce qu'il vérifie les deux équations? Pour x égale 2 et y égale 2, 2 plus 2 égale 4. 2 fois 2, 4, moins 2, c'est 2. Donc voilà, il vérifie. Donc ici, graphiquement, la solution, c'est le point d'intersection M qui a pour coordonnées 2, 2. Et par contre, 2, 2 est la solution du système. Et la solution M qui a pour coordonnées 2, 2 est la solution du système, de ce système qui est x plus y égale 4 et 2x moins y égale 2. Donc voilà la résolution graphique. Maintenant, on passe à un autre exemple ou bien un autre exercice qui est toujours résoudre graphiquement. Je change de système. Voilà. Alors, le système, c'est 3x moins y égale à moins 1 et 2x moins y égale à moins 3. Donc, on va transformer les deux équations en deux équations de droite, en deux équations réduites de droite. Là, l'équation réduite de, je vais l'appeler delta 1 ou bien d1, voilà. C'est y égale, je transfère moi y ici, ça devient y, et je transfère moins 1 dans le premier moment, 3x plus 1. Voilà l'équation réduite de d1. Maintenant, l'équation réduite de d2. C'est y égale, je transfère y ici, ça devient, moins y, ça devient y, et moins 3, ça devient plus 3. Donc, est égal à 2x plus 3. Maintenant, je trace les deux droites. Donc, il me faut un tableau de valeurs. Alors, D1 a pour... je fais le tableau de valeurs x, y. Alors, si je donne à x 0, y est égal à 1. Voilà le premier point A. Un deuxième point, pour x égale 1, y égale 4. Donc, voilà deux points. Maintenant, pour D2. D2, voilà D2. Donc, je mets un tableau. Pour x égale 0, y égale 3, voilà le point E. Maintenant, pour x égale 1, 2 fois 1, 2, plus 3, c'est 5. Voilà F. Maintenant, je peux tracer sur un repère orthonormé. Alors, je vais tracer ce repère orthonormé. Le voici. Alors, je le trace. J'ai oublié de préparer un autre repère. Voilà un repère orthonormé. Vous avez les carreaux du cahier, vous pouvez utiliser. Donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Bon, voilà, il est orthonormé. 1, 1. Voilà.
pour D1. On a 0, 1. 0, 1. Voilà, il passe par ce point A. Le point A, il a pour coordonnées 0, 1. Pour B, 1, 4. 1, 1, 2, 3 et 4. Donc, voilà le deuxième point B. Maintenant, je peux tracer la droite AB. La droite AB, elle est là. Qui est la droite D1. Elle passe par A et B. Maintenant, je passe à la droite qui passe par E et F. 0, 3. 1, 2, 3. Voilà un point. Maintenant, voilà le point E. 0, 3. Et F, 1, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est 4, là, c'est 3. Bon, 1, 5. Alors, voilà le point. Le point F. Alors, maintenant, je trace la droite EF. EF. A. 5, 6, 7. Donc, elles vont se couper ici. Voilà, 1, 1, 2, 7. Non, 1, 5. Voilà E et voilà F. Voilà E et voilà F. Quand je trace E, F, ils vont se couper en 2, 7. Voilà, il se coupe à ce point-là que je vais appeler M, qui a pour coordonnées 2, 7. Donc, c'est la résolution graphique de ce système. Donc, le système a pour solution, donc, M, qui a pour coordonnées 2, 7, et la solution graphique, et la solution graphique de ce système. Donc le couple 2, 7, ce sont les coordonnées du point M qui est le point d'intersection des deux droites. Donc résoudre graphiquement un système, ça revient à trouver le point d'intersection des deux droites qui représente les deux équations du système. Voilà pour cette séance. On verra d'autres exercices, Inch'Allah. À bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Merci. Si vous êtes nouveau, n'appuyez pas sur la cloche. Ah, si vous êtes nouveau, appuyez. Mais si vous êtes ancien, n'appuyez pas sur la cloche.